Les amis, on se retrouve, je pars un mois à l'étranger. Ça fait très très longtemps que je vous tease déjà sur Instagram que je vais partir vivre à l'étranger pendant un mois. Mais en vrai, j'en ai pas trop parlé, genre. Franchement, j'ai pas du tout donné d'indice où j'allais ou quoi que ce soit. Mais du coup, cette vidéo sort le jour où je suis partie à Copenhague. Pourquoi j'ai décidé d'aller là-bas? Qu'est-ce que je vais y faire? Quelles sont mes motivations? Comment je m'y suis prise? Un petit peu le pourquoi du comment, en fait. Premièrement, pourquoi j'ai décidé de partir à l'étranger? Donc, ça fait depuis toute petite, enfin toute petite, ça fait depuis que je suis rentrée en 6ème, que j'ai commencé à apprendre un peu l'anglais, que j'ai voulu découvrir des pays anglophones. Donc, à l'époque, c'était vraiment les États-Unis, genre j'avais que ça en tête et je voulais absolument faire un séjour linguistique aux États-Unis. Et vraiment j'ai harcelé mes parents pour ça, j'en parlais tout le temps, je commandais tout le temps, vous savez, les bouquins de EF, donc Education First. Oui, mais en fait ils proposaient des séjours linguistiques pour les jeunes, du coup pas encore majeurs mais pas que, aussi faire ses études à l'étranger. J'étais à fond dedans, genre vraiment je ne parlais que de ça, je n'avais que ça en tête mais pendant très très longtemps. Sauf que je comprenais pas pourquoi mes parents ne voulaient pas que je fasse ça, parce qu'ils me disaient que c'était pas possible. J'étais même très en colère contre eux et genre en ai voulu. C'est après que j'ai compris que c'était pas possible, enfin qu'ils ne voulaient pas mais que c'était pas possible financièrement en fait, parce que partir à l'étranger, bah c'est vrai que c'est un coût, surtout les séjours linguistiques avec des organismes ou juste étudier en fait, les études à l'étranger c'est super cher. Ça je l'ai compris bien après et je m'en veux d'en avoir voulu à mes parents puisque c'était pas du tout de leur faute, mais j'avais pas du tout perdu cette idée de partir à l'étranger. Je me suis dit c'est pas grave, je le ferai plus tard au niveau de mes études sup, et c'est pour cela que j'en suis là aujourd'hui puisque je suis en première année d'études sup à Lille en marketing de luxe. Et en fait j'ai terminé les cours en juin, parce que normalement j'ai un stage, vous savez, de 2 mois à faire, donc de mi-juin à mi-août. C'est un peu chiant parce que du coup t'as clairement pas de vacances, mais bon c'est aussi mon professionnel. Mais comme je suis auto-entrepreneuse pour les réseaux sociaux et que j'ai aussi travaillé en tant que community manager à l'époque, et que maintenant je fais de la freelance en fait à côté de mes études, avec mon assistante Massine, en fait on a passé ça sous contrat étudiant, donc elle m'a appris un petit peu tous les bases. C'est pas fini, je suis encore en cours là à Copenhague et elle va beaucoup me coacher sur en fait mon propre business. Je vous développe pas trop, j'aborderai ça plus tard si ça vous intéresse ou pas. Tout ça pour dire que finalement je n'ai pas mon stage à faire de mi-juin à mi-août, puisqu'en fait il est déjà passé en contrat étudiant tout au long de l'année. Mais je me suis dit en fait c'est trop trop bien parce que j'ai décidé de faire ce contrat étudiant après avoir eu l'idée. Voilà, je compte pas faire des contrats étudiants à tous mes stages, c'est pas le but, parce que j'aimerais aussi être en entreprise, de nouvelles marques, de nouveaux métiers, etc. Mais là c'était, on va dire, un petit peu exceptionnel, c'était pour réaliser ce projet. Et en janvier dernier je me suis dit mais en fait là c'est l'occasion, je fais des économies depuis 2 ans, donc depuis que j'ai commencé les réseaux j'ai un compte économie où justement économiser, en vrai je sais pas trop pourquoi parce qu'avec le Covid c'était compliqué, mais pour potentiellement les études à l'étranger. Finalement je vais pas faire d'études à l'étranger, mais c'est pas trop ça le sujet. Et du coup je me suis dit, à 18 ans t'es plutôt indépendante financièrement, en soit t'as pas de réelle raison qui te bloque en France, tu peux te permettre de partir quelques temps. C'était pas prévu un mois au début, c'était prévu un peu moins, mais à l'étranger. Je n'ai pas choisi les States, pourquoi? Parce que bah c'est loin, c'est compliqué parce que c'est hors de l'Union Européenne, et pour un premier voyage se retrouver à faire plein de papiers et tout, refaire mon passeport et tout, enfin assez compliqué. Puis même pour un premier voyage je me voyais pas le faire, et puis c'est super cher, c'est bon, très très cher. Là déjà là où je vais, enfin Copenhague c'est cher, mais alors les États-Unis c'est encore plus cher. Du coup je me suis dit déjà restons en Europe. J'avais pas vraiment de destination fixe, je savais pas du tout en fait où aller. Je me suis posée, je me suis dit mais quelle ville, quel pays t'as toujours voulu aller? Enfin, ça coulait de sens, vous me suivez depuis pas mal de temps, c'était le Danemark. J'y suis jamais allée, mais en fait j'ai découvert on va dire sa culture, enfin le pays, etc. avec la youtubeuse Amalistar. Je sais pas du tout si vous connaissez, mais c'était une de mes youtubeuses préférées. C'est grâce à elle finalement que je me suis lancée sur YouTube, parce que enfin je voulais trop, j'aimais trop son univers, je voulais trop en fait avoir un peu le même finalement. Et à partir de là je me suis énormément intéressée au Danemark. Pendant quelques temps un petit peu appris le danois, mais bon j'ai vite abandonné parce que c'est très très dur le danois, encore pire que l'allemand. Et je me suis dit un jour j'irai à Copenhague, j'irai visiter, on dit que du bien de ce pays, de cette ville. Vous connaissez peut-être la réputation de Copenhague, c'est la ville la plus heureuse du monde, voilà, donc on verra bien. Et en janvier, bref, on en est là, je me suis dit ok, regardons les billets d'avion. Je vois les billets d'avion aller-retour pendant la période approximative que je voulais, 90 €, clairement pas cher, je me suis dit, parce que bon, imaginons on serait parti aux States, j'en avais pour minimum 800 € l'aller-retour, et encore
800 euros, c'est gentil. Je me suis dit, quasiment 1000 euros d'économie que je pourrais mettre par exemple dans le logement ou dans voilà, des activités, la nourriture, machin. Je me suis dit, ok, je me fixe Copenhague, c'est décidé, l'avion c'est pas cher, ça reste en Europe, c'est pas extrêmement loin. En avion c'est même moins de 2 heures. Donc je me suis dit, let's go, maintenant chercher un logement. Sauf que, peut-être que vous le savez ou non, mais la réputation des pays du Nord, c'est les pays un peu riches, enfin c'est clairement les pays riches, MIG est super élevé, etc. Et du coup, bah en fait, les logements sont chers. Surtout que Copenhague, c'est la capitale, donc c'est cher. Mais ça, je le savais, je partais pas insouciante sur ça. Et personnellement, un point important, c'est que ça me dérange pas du tout d'investir dans un beau logement. Mine de rien, je suis quelqu'un d'assez matériel, enfin j'aime bien genre le beau mobilier. Vous savez que j'investis énormément dans ma déco pour mon appart, cellulé, etc. Je me suis dit, si je pars, je sais que je vais pas repartir un mois avant très très longtemps. Donc autant vraiment tout investir dedans et vraiment avoir... Vous savez, le truc que j'ai toujours rêvé depuis que je suis toute petite, genre j'ai pris mon temps pour réfléchir, etc. Bref, vous voyez. Et en parcourant, j'ai vu un Airbnb juste incroyable. Bon, vraiment, il était tellement beau, c'était tellement luxueux. Bon, il était super grand, et il était tellement bien placé et c'était tout en marbre. Enfin, vraiment, c'est le truc. Waouh! J'ai vu le prix, je me suis dit, ok, bon, bah jamais je pourrais l'avoir. Clairement, c'était clairement hors budget. Et puis je me suis dit, en vrai, qui ne tente rien à rien, parce que, ah oui, aussi, les frais de service sur Airbnb étaient tellement chers, je me suis dit, juste en enlevant ça, à la rigueur, ça serait un minimum possible. Du coup, je me suis dit, je vais les contacter en privé pour voir, pour expliquer aussi mon projet, vous savez, des réseaux sociaux, de filmer du contenu là-bas, de découvrir que j'étais étudiante, que je partais seule, machin, machin. Du coup, je leur ai fait un mail, et ils m'ont répondu très gentiment en me disant que c'était super intéressant, etc., qu'ils comprenaient totalement et qui serait aussi ravi de me faire un prix, enfin genre que ça les dérangeait pas forcément, alors que pourtant juin juillet c'est une période assez voilà pour les vacances assez prisée. Bon, je m'étais pris en avance et du coup ils m'ont fait un sacré prix et là ça rentrait déjà beaucoup plus dans mon budget, comparant en fait tout simplement les budgets de celui-là et des autres logements à Copenhague. Finalement il n'y avait pas une grande différence et pour la qualité et l'emplacement en fait c'était incroyable quoi. Du coup je me suis dit bon bah let's go, on tente et on fait énormément d'économies, j'ai 6 mois pour booster à fond mon compte économie, de travailler en plus, etc. Ou j'ai bloqué ce Airbnb. Je vous montrerai dans les futures vidéos à Copenhague, mais voilà, pour l'instant je ne vous spoil pas. Alors peut-être que quand certains vont voir le Airbnb que j'ai pris, ils vont se dire mais c'est trop, genre c'est trop grand pour quelqu'un de tout seul. C'est vrai que c'est très grand en soi parce que bah voilà, il y a un salon, il y a une cuisine, il y a une chambre. Enfin c'est grand, surtout comparé à mon studio. Je vois vraiment plus le côté très esthétique où je vais m'en servir de façon stratégique parce que, bon, pareil, je vous spoil pas, mais j'ai un gros projet que j'aimerais réaliser là-bas et il me faut vraiment un environnement lumineux, grand, spacieux et de qualité. On est en janvier, j'ai booké le Airbnb, donc j'ai déjà donné un acompte de la moitié du logement. Je donne l'autre moitié ben, en arrivant au logement. Voici la caution, qui est super chère, qui est en fait l'équivalent de la moitié du logement. Et en fait, au Danemark, il fonctionne pas genre par chèque de caution ou s'il y a un dégât, ils le prennent. Sinon il l'arrache. Et puis je sais pas vous mais j'aime pas du tout me balader avec du liquide sur moi. Surtout enfin moi j'ai genre 10 euros en liquide, c'est déjà beaucoup sur moi. Donc voilà. J'ai pas non plus été les yeux fermés, je me suis beaucoup renseignée. Le logement était, bon, déjà vu la tête du logement voilà. C'est super bien réputé au niveau des avis. Ils ont un site professionnel parce que le logement a été refait par un architecte. Du coup ils ont carrément un site. Genre c'est hyper clean et la fille je la suis sur Insta, elle me suit en retour et sa vie, mais alors attendez, je vous fais un petit débrief sur les propriétaires, leur vie a l'air incroyable quand même. À ce que j'ai compris, du coup la fille habitait à Copenhague et elle a rencontré du coup son mari qui lui vivait aux États-Unis à Los Angeles. Ils sont tombés amoureux, machin machin, et en fait ils ont mis du coup en location, enfin en Airbnb, l'appartement qu'ils ont fait refaire hyper bien, machin machin. Et ils sont partis vivre du coup à Los Angeles et en fait je vois dans ces stories, mais alors déjà ces stories sont trop belles, je crois qu'ils ont plein de petites maisons secondaires, ils ont l'air vraiment blindés, clairement c'est le terme. En tout cas ils sont vraiment adorables, ils sont super gentils, j'ai très très bien communiqué avec eux. Bref, c'est la première fois que je passe via Airbnb pour un logement parce que j'en ai jamais pris en fait seul. Donc pour l'instant tout va bien, donc le temps se passe, je fais mes économies et surtout que comme je vous disais, il n'y a rien en soi qui me retient trop en France pour rester pendant les vacances. Sauf que je venais d'en rencontrer mon copain il y a genre un mois. Et au début, bon, c'est vrai qu'avec mon copain, enfin c'était pas genre
on n'était pas hyper fusionnels, etc. Ça a beaucoup changé parce que maintenant ça fait quasiment 8 mois qu'on est ensemble. Et je me suis dit à l'époque, bon, un mois sans lui, ça va passer vite. Machin, je me dis, bon, si on est encore ensemble, ouais, j'étais pas très emballée. Et là, plus de temps passe et je me dis, un mois comme ça. Genre, non, ça va être possible. Et surtout que entre deux, j'ai adopté un chaton. Parce que je sais qu'on va me poser la question, etc. J'ai adopté un petit chaton, donc il y a un peu plus de 2 mois. Et en fait, à l'époque où j'avais cette idée de partir à l'étranger, j'ai pris le Airbnb, etc. J'ai pas du tout en tête de prendre un chaton. Du coup, c'était pas trop prévu, mais je me suis dit, et c'est ce qui m'a convaincu aussi d'adopter Adam, mon petit chat, que mes parents soient ok avec ça, qu'ils soient aussi ok pour le garder si je dois m'absenter, par exemple là. Parce que, bah, bon, déjà c'était pas prévu. Vu le prix de la caution, prendre un chat dans le Airbnb, non. Déjà, c'est pas forcément ok avec tous les proprios. Et l'avion. En plus, c'est un chaton qui prend l'avion, il faut son passeport vaccinal, faut vacciner contre la rage et tout, machin. Et puis, toutes les compagnies n'acceptent pas aussi les animaux. Et c'était très très compliqué, donc dans les cas c'était impossible que je prenne avec moi. Mes parents finalement étaient très ravis de le garder, donc là mon petit chat est parti chez mes parents parce que je pars bientôt. Et à l'époque, quand je ne l'avais pas encore, je me suis dit bon, pareil, un mois ça va aller, etc. Mais je vous jure, quand il est parti, là on est actuellement dimanche, il est parti jeudi, mes parents sont venus chercher jeudi, ça m'a fait trop un pincement au cœur, j'étais trop trop mal. Je me suis dit, enfin, lui il va être très heureux chez mes parents. De cachettes, c'est une maison, il y a des étages et tout. Ça va être moi la plus malheureuse dans l'histoire en fait de le quitter. Justement, parlons des raisons pourquoi j'ai décidé de partir un mois. Donc au début c'était moi. En fait, tout simplement, il y avait une réduction au moins pour les logements et c'était vraiment avantageux, donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un mois pile. Soit il n'y a pas de réelle raison. Voilà, surtout que c'est la première fois que je pars toute seule, entre guillemets, puisque si vous le savez aussi peut-être ou non, et je pense que c'est un conseil que je peux vous donner, si vous décidez de partir seule, voilà, vivre quelques temps, 1, 2, 3 mois ou plus à l'étranger, déjà en fait de faire une sorte de petite expérience. Comme je le disais, je suis partie en avril, donc il y a un peu plus de 2 mois, à Annecy, en vacances, donc là c'est pas la même chose, les vacances, c'était 4 jours, mais seule. Et ça s'est trop trop bien passé, j'ai tellement adoré que je me suis dit... Bah, let's go. Je ne vous en parle pas plus parce que la vidéo est censée être un peu du storytelling assez court. Mais j'ai eu une petite merde, on va dire, parce que hier j'étais chez mes beaux-parents et je vois quoi, mon avion a été annulé. Je devais partir le mardi 14 et a été annulé. Alors la prise de panique, genre je me dis qu'est-ce que je fais, je savais pas quoi faire. En fait, ils m'ont remplacé mon avion, mais il n'y en avait pas d'autres le même jour. Il n'y a qu'un vol par jour Paris-Copenhague. On l'a décalé au lendemain, donc au mercredi. Donc je pars, mon avion est à 18h10 le mercredi. Donc, peut-être que quand vous verrez cette vidéo, je ne serai pas encore atterrie même à Copenhague. Mais bon, voilà. Et je dois prendre le train pour aller à Paris du coup. Sauf que le seul train que j'ai, j'arrive à 12h30 à l'aéroport. Donc pendant 6 heures quasiment, je vais poireauter dans l'aéroport. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais bon. Et du coup, je me suis dit, go vous faire toute une petite série de vidéos, un peu les Copenhagen Diaries. J'ai toujours rêvé de faire ça. Vous emmener en fait en vlog avec moi pendant ces 1 mois. Sûrement une vidéo par semaine. Des weekly vlogs finalement, où je vous partage en fait ma vie, comment je gère, comment ça va se passer, aussi des activités, ce que je vais faire. Enfin, j'ai pas de programme. J'espère que ça va vous plaire. Moi, c'est un projet que j'ai toujours voulu faire. Je me dis, dans 3 jours, je pars, mais qu'est-ce qui se passe? Genre... Je sais pas si vous voyez, mais pas compte encore. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà été à Copenhague, si vous me conseillez des choses, si je sais pas, en fait, s'il y a des choses que je dois savoir, puis sur mon terme, si vous avez des bons plans, des activités, des restos sympas, je sais pas, des trucs cool, vous voyez. Et moi, je ne tarde pas plus parce qu'on oublie pas, c'était une intro, et en fait, je vais clairement tout vous expliquer dans le vlog, en fait, dans le vif du sujet. J'ai acheté une nouvelle caméra pour ça, j'espère qu'elle va être trop bien. Mais le principal de ce voyage, pourquoi je pars un mois, c'est tout simplement pour réapprendre à profiter toute seule, parce que j'en ai parlé en story, mais dès que je me retrouve toute seule maintenant, genre je panique, je sais pas quoi faire. Ouais, vraiment je panique, c'est trop bizarre, alors qu'avant je kiffais faire des trucs seul, me retrouver seule, faire une petite routine seule, vous voyez. Et ça me fait trop mal au cœur de perdre ça, et c'est pour ça que j'ai décidé de m'éloigner un peu de tout et de me retrouver avec moi-même et de vivre pour moi un mois. Et je pense que ça va me faire beaucoup de bien, ça va être bien. Et j'ai plein de projets aussi professionnels, ça va être chouette, genre très gros projet, voilà, ça va être... Bref, je vous garde pas plus, on se donne rendez-vous, je sais pas quand, mais la semaine prochaine pour le premier Copenhagen Diaries. Moi les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.